Es ist Sommer. Wir befinden uns auf der Île de Loisir in einem Banlieue in der Nähe von Paris. Das ZFF trifft den Regisseur des Dokumentarfilms Île de Trésor in der Badi-Letzigraben. Er erzählt uns, wieso er diesen Film gemacht hat. Je crois que j'avais juste envie de filmer l'été, de filmer ce lieu dans lequel j'avais des souvenirs d'enfance et qui me semblait être un lieu très riche. Ça m'intéressait de filmer une jeunesse plus libre, plus aventureuse. Les enfants que je rencontrais là-bas jouaient ou draguaient ou ressentaient les mêmes émotions que les enfants de, du centre de Paris, ou je ne sais pas, enfin voilà. Même si ça implique de passer outre des interdits. Tu peux pas te baigner ici, là. C'est comme ça. Le lendemain, tu sais pas ce qui peut arriver. Oui, les gars, ils sont partis. Le souvenir de mon enfance qui me marque le plus là-bas, c'était que à l'époque, il y avait un grand bateau pirate en bois dans lequel on pouvait monter sur la plage. Et moi, quand j'étais enfant, ça me fascinait, ce bateau pirate. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que 30 ans plus tard, le film s'appelle L'île au trésor et qu'il y a dans le film des enfants qui sont comme des petits pirates qui partent à l'abordage comme ça de cette plage. Voilà. Je pense que ça a joué le fait que... Guillaume Brack malt uns ein Bild dieser grünen Oase und bringt das Sommergefühl in den kalten und nassen Herbst von Zürich. Backflip, Backflip, Wahnsinn!